maintenant, il s'est déjà retrouvé devant ou en face d'un conservateur de titres immobiliers. Bien, dans le cadre de cette transaction, de cette opération-là, c'était 100%. Attendez. D'abord, le conservateur. Vous avez été devant le conservateur. Pardon? Bien sûr, on peut faire acte de cession, acte de vente. Devant le conservateur. Oui, mais le conservateur, il me connaît bien. Oui. Parce qu'il me connaît combien les terrains, moi j'achète, combien les terrains je vends. Ok, merci. Vous répondez à votre tribunal, la signature des contrats s'est faite à la conservation des titres ou dans son bureau à lui. Bien, cette opération avec le conservateur, pardon, concernant Daniel ici dont vous avez parlé, et Soraya, oui, l'opération ici, oui, avec le conservateur, vous avez signé. Moi, j'ai signé acte de cession, acte de vente, je ne me rappelle pas. Chez vous ou bien chez le conservateur? Ça s'est passé où? Chez vous? Non, c'est moi-même, j'ai signé, mon frère, je ne peux pas te mentir, devant le conservateur. Ça s'est passé où? Dans votre bureau? Voilà. Dans votre bureau ou bien quoi? Chez le conservateur? Pour signer? Pour signer, oui. Attendez. Le conservateur, souvent, il vient chez moi. Il vient je ne me rappelle vous. Pas. Peut-être dans, ou bien chez lui, dans mon bureau, je ne me rappelle pas au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je ne me rappelle pas. Monsieur le conservateur, si vous voulez réagir, vous demandez la parole, vous réagissez à haute voix pour vous entendre. Mais j'ai reconnu, peut-être dans mon bureau, dans son bureau, je ne me rappelle pas. Parce que lui, il me connaît bien. Je suis grand client chez lui, monsieur le président, avec grand respect. Je suis grand client chez lui. Bon, vous êtes grand client du conservateur. Oui, parce que je vends les terrains, j'achète les terrains aussi. Et puis, excusez-moi, vous avez laissé 120 millions de dollars te suivre. Un terrain, ça coûte 100 000 dollars, il y a les serpents beaucoup. Il faut d'abord pour les peuples des Congolais contenir le travail, il ne veut pas vous les contenir. Je suis prisonnier. Si c'est l'autre personne, va arrêter le travail. Moi, j'ai en train de travailler sans arrêter. Maintenant, je suis bloqué mon compte. Je vais vouloir mourir. Je suis malade, tout à cause du président. Je ne veux pas casser son marché. À cause du peuple congolais, à cause des militaires, merci. À cause des bourses. Merci, on vous comprend. Merci beaucoup. Merci. Non, reste encore Ousmane. Attendez, merci. Oui. Monsieur le procureur, vous avez une... Non, nous n'avons pas une question. Seulement, nous confirmons ce que nous avons dit, que ce sont des faits de corruption. Okay. Le fait qu'il n'a aucun lien. Il n'a pas démontré ce que Daniel a fait pour lui. Merci. Mais il lui a donné. Merci. Une dernière question. Oui, partie civile. Préoccupation. À votre tribunal, lorsque le conservateur a établi le contrat de concession en faveur de Daniel et de Mademoiselle Soraya et son certificat d'enregistrement à lui, où est-ce qu'il a retiré son certificat d'enregistrement, le prévenu Jamal? Oui. Monsieur Jamal, suivez. Lorsque le conservateur a établi le certificat d'enregistrement et les autres documents, le contrat pour Soraya et pour vous-même, où est-ce que vous avez retiré vos documents, votre certificat? Mais je pense avec Daniel, je pense. Moi, je n'ai pas pris les documents. Peut-être avec Daniel, les choses. J'ai même pas arrivé là-bas. Vous n'êtes même pas arrivé là-bas, vous avez dit. Qui a retiré votre document pour vous le remettre? Peut-être avec Daniel, l'original. Moi, il n'y en a pas avec moi. Si quelqu'un, par exemple, je vais te donner, excuse-moi, un costume. Je vous dis, faites une facture. Ok. Excuse-moi pour cette phrase-là. Excuse-moi. Voilà, moi, j'ai reconnu. Maintenant, restez Ousmane. Ousmane, je vais parler aussi. Ok, merci. Merci. Vous me posez, monsieur le président, je répondais avec grand respect. Une dernière question, monsieur le président. Le conservateur des titres immobiliers, les deux conservateurs ont été entendus sur procès verbal. Et le conservateur déclare avoir remis le titre de monsieur Jamal entre les mains de l'assistant du ministre des Affaires foncières à sa demande. Est-ce que monsieur Jamal peut-il confirmer à votre tribunal s'il lui est arrivé d'aller chercher son titre au ministère des Affaires foncières? Bien. Revenu Jamal. Oui, monsieur. Le conservateur, lorsqu'il a été entendu par le
ministère public, il a déclaré que votre titre a été remis à l'assistant du ministre des Affaires foncières. Et vraiment, monsieur le président. Qui a reçu votre titre et qui vous l'aurait remis. C'est possible, mais je ne me rappelle pas, monsieur le président. C'est possible. Je ne me rappelle pas, mais vous me permettez de parler un mot. Regardez, ils ont émetté mon signature pour ils vont voler 5000 mètres dans mon terrain. Voilà. Qui c'est? Je ne sais pas. Maintenant, on procède, ils ont émetté mon signature. Mais, voilà, regardez. Allez, montrez. Okay. Voilà, 5000 mètres, ils ont volé. Heureusement, je l'ai frappé. Regardez, ils ont émetté mon signature. Donc, je vais présenter. On était obligé, tout le monde, monsieur, qui me suivent à cause d'un terrain, monsieur le président, avec grand respect. Il faut me féliciter d'abord pour les marchandises. Il faut me féliciter pour les militaires. Merci. Merci. Milliard merci à vous. On a compris. C'est fini? Nous n'avons pas de questions à ce stade. Bien, nous pouvons évoluer. Monsieur Déjà, il a dit. Pardon. Nous évoluons enfin à charge de prévenir Kamir et Lokanungini. Avoir, étant agent public ou toute autre personne sollicitée ou acceptée directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel que un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, en l'espèce. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps possible de 1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Djamal, située sur la baie d'Engalema au quartier Bassoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous le nom de ses sociétés Samibo SAL et Ousmal SARL, des marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées, évoquées plus haut en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis.1 et 149. Alinéa 1 et 2.2a du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Avoir également, en l'espèce, dans les mêmes circonstances de lieu de temps que sub 2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Piana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Bassoko, dans la commune d'Engalima à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme des 100 jours, initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Djamal, sous le nom de ses sociétés Samibo SRL et Ousmal SRL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut en violation de la procédure d'appel d'offres et de seuils fixé par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis.1 et 149 alinéa 1 et 2.2a du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Prévenu Kamere, quel lien avez-vous avec Soraya Mpiana? C'est ma fille. Connaissez-vous M. Daniel Chambaloumé? C'est mon cousin. On l'appelle également Massaro. Exactement.
Est-ce que vous étiez au courant d'une opération que M. Daniel a eue avec le prévenu Sami Jamal, d'abord le 23 janvier 2019, et ensuite le 25 avril 2019. Ni moi, ni ma fille, personne ne connaît cette affaire. J'ai découvert l'histoire du premier contrat sous le nom de ma fille sur Internet. Et j'étais vite, je me suis dit, au Congo, ça commence par les réseaux sociaux. J'ai fait tirer la copie, et ici je pourrais atténuer le président de la République. Je suis allé le voir directement. J'ai dit, monsieur le président, je vais le tirer sur Internet, peut-être comme vous êtes aussi un habitué des réseaux sociaux, il va vous arriver de lire ça. Il dit, mais d'abord, on a mal écrit le nom de ta fille. Secundo, j'ai dit, oh, monsieur le président, mais on doit la parcelle à ma fille, mais on lui attribue l'adresse numéro 1, avenue des aviateurs. Jusque-là, moi, je ne savais pas qui habitait sur l'avenue des aviateurs. C'est le jour où nous démarrons le procès, le 11 ici, que quand on va décliner les différentes adresses, que je vais entendre, avenue des aviateurs, c'est l'adresse de monsieur Jamal. Première question. Monsieur Jamal donne la parcelle à ma fille sans la consulter, sans consulter son père, sans consulter sa mère. Et monsieur Jamal met cette parcelle à son propre, sur sa propre adresse. Deux. On dit dans cette citation à prévenu que ceci serait fait dans le but d'influer sur le marché. Attendez, vous allez... Je vais répondre. Non, vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Vous avez répondu. Je n'ai pas répondu, votre honneur. Faites-moi la même faveur que l'avocat de la République. Allez-y, si vous estimez. Je n'ai pas répondu. Et c'est très important ce que je veux dire maintenant. C'est quand on dit que c'est dans le but d'obtenir 1500 maisons, le marché de 1500 maisons, c'est la corruption. Et moi, vous voulez que j'accepte ça comme ça? Alors que le marché des maisons, non seulement le même Diamant a dit que ça commence depuis 2017, ils ont conclu le premier contrat en 2018, mais nous sommes dans l'opposition. Le président Félix Tshisekedi n'est pas encore président. La première donation qui est mentionnée ici, c'est le 23 janvier, il n'y a pas de crime parfait. Le 23 janvier, Félix Tshisekedi n'est pas encore investi président de la République. Comment je serais devenu directeur de cabinet à ce moment-là? Il est investi président de la République le 24 janvier. Et moi, je suis nommé directeur de cabinet le 25 janvier. On ne passe même pas encore 100 jours. Le ministère public a bien fait de rappeler que c'est 15 ou 10 jours après que j'avais fait le communiqué sur instruction du président de la République. Pour dire, attention, mandataire, ministre, tout le monde, vos dépenses doivent se limiter aux rémunérations. Et pendant cette période, pas de mouvement du personnel. Donc, c'est un faux. Qu'est-ce que je fais? Puisque vous avez posé la question de savoir, je suis un grand responsable, je découvre qu'il y a un document, qu'il soit faux ou vrai au nom de ma femme, je me suis renseigné auprès des bureaux du cadastre de Ngaliema. Par personne interposée, j'ai envoyé, allez vous renseigner au nom de ma fille, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puisque quand on établit un certificat d'enregistrement, on commence par les pièces de base. La transaction est commence, soit un acte de donation. Et quand on vous donne quelque chose, donc vous devez d'abord l'accepter. Dites-moi, monsieur l'agent, je vous envoie de vous renseigner, qui a donné à ma fille, ma fille a-t-elle accepté elle-même directement ou par personne interposée avec une procuration? Dis-moi notarié, parce qu'elle étudie en France, elle n'étudie pas ici. Et l'université en France. Et ici, le marché des 100 jours n'était pas encore en conception. Alors je crois que les messieurs avaient le don de prophétie de savoir qu'il y aura le marché de 1500 maisons plus tard. Ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Comment on pouvait me donner un terrain, par l'intermédiaire de ma fille, un terrain de 150 mètres sur 100? À la limite, c'est vraiment ça, c'est une injure. Dernier argument, votre honneur, pour réfuter complètement cette machination, c'est de dire, peut-être beaucoup de gens ont perdu de vue. À l'époque, dans le cadre de la continuité des affaires de l'État
nous avons réaffirmé par des actes concrets qu'il est interdit de construire des maisons sur la baie d'Engaliema. La lettre de M. le directeur de cabinet, que je suis maintenant nommé, j'ai signifié cela et j'ai sollicité auprès du gouverneur de la ville et du général Kasongo que toutes les maisons, je vais vous la donner la lettre là, que toutes les maisons qui ont été érigées le long, puisque la baie d'Engaliema va jusqu'à l'hôpital de la rive, toutes les maisons érigées là-bas, on les a bel et bien détruites. Et donc, vous me voyez, moi, qui connais déjà ces dossiers depuis très longtemps, aller m'intéresser à un truc qui va être détruit plus tard, puisque c'est réservé à la corniche. Et la lettre, elle est là. À titre d'exemple, annulation de titres parcellaires. Je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement à Kinshasa. Je réserve copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, etc., etc., tout le monde est là-dedans. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, chef de l'État, me charge de vous demander d'instruire le ministre des Affaires foncières de procéder à l'annulation de tous les titres parcellaires qui ont permis les constructions anarchiques situées autour du site stratégique de Mongaliema, le long du fleuve, à côté de l'hôpital de la rive. Ici, de rappeler que cette zone est interdite à toute espèce de lotissement, et c'est depuis 1960. Le gouverneur de la ville, qui me lit en copie, doit prendre toutes les dispositions urgentes quant à ces veillées agréées, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, tous ceux qui ont construit là-bas, et ceux qui ont accepté les donations, ceux qui ont acheté, le conservateur aura mis l'État en difficulté. Bien, merci. Je crois que le tribunal vous a compris. Mais le tribunal voudrait vous poser quelques questions sur ce sujet. Est-ce que vous saviez que votre cousin, comme vous l'avez dit, Daniel, était en relation d'affaires avec M. Jamal? Non. Est-ce que vous avez appris qu'effectivement une donation est intervenue, une cession est intervenue en sa faveur? Non. Ou en faveur de votre fille? Non. Même quand vous avez envoyé les gens vérifier aux affaires foncières, ils ne vous ont pas rapporté qu'il y aurait des titres sur... Non, non, non. Non, pas du tout. Non. Vous n'avez été informé de toute manière de cette transaction. C'est au niveau du parquet. Oui. De Matete Limité, que l'avocat général Kaloula m'avait posé la question de relation avec Massaro et Daniel. Oui. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez pris la photo avec lui et lui-même avec je ne sais pas qui? J'ai dit non, moi je ne connais pas toutes ces photos-là. Peut-être que ce sont des photos vraies ou fausses. Oui. Parce que moi, quand je vois le président français, il s'arrête, il fait le selfie avec quelqu'un. Un jour, on lui pose la question, M. Macron, vous reconnaissez cette personne? Il ne va pas le reconnaître. On voit le président Félix Tshisekedi s'arrêter, que ce soit à Beni, à Bukavu, à Kinshasa, ici, il fait des photos avec tout le monde. Il fait des photos avec les opérateurs économiques, les investisseurs, dont il ignore le nom. Alors, pour moi, posé par l'avocat général Kaloula, et je lui avais apporté les mêmes réponses. Donc, vous estimez que s'il y a une photographie entre vous et le prévenu Jamal, ce serait... de manière tout à fait... Non, ce serait d'abord, a priori, ce serait une fausse photographie. A priori. Parce qu'on prouve le contraire. Puisque là, je peux, votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, vous me donnez 24 heures, je peux vous reproduire votre photo avec M. Jamal. Je peux vous la reproduire. Vous me donnez seulement 24 heures, je vous ramène votre photo. Quand lui, là, à côté, mon ami Sylvain, je dis, mais quelqu'un d'autre... Je vous la reproduis avec les moyens actuels. Vidéo. Nous avons vu, nous tous, on est en train de faire parler le président Macron. Il y avait eu même un incident. Tout le monde croyait que c'était vrai. Alors que c'est un nouveau logiciel qu'on vient d'inventer. Merci. Voilà. Merci. Donc. Merci.
Ok, monsieur le procureur général, vous avez des préoccupations. Que puisque je vois, il s'est encore déshabillé, le prévenu Camero. S'il peut se je suis déshabillé, bien, je suis moi, j'ai le problème respiratoire. S'il peut fermer le bouton, vous êtes devant le tribunal. J'ai le problème respiratoire, c'est sérieux. Vous êtes devant le tribunal. Vous avez un problème, vous avez toujours porté des vestes, des cravates. Alors, restez. Je n'ai pas compris. Vous avez toujours porté procureur, des vestes, des cravates, monsieur le prévenu Camero. Si vous m'enlevez la tenue de prisonnier, non, je n'ai pas porté des vestes, cravates. Monsieur le président, si vous pouvez demander seulement de fermer, c'est du respect pour vous. On ne peut pas refuser à notre client de prendre de l'air. Il est en tenue. Et puis je prends le respiratoire. Avec sa tasse, c'est déchargé. C'est pas de contrôler le tenue. Comment le procureur va m'appeler? Vous parlez à sa tasse, s'il vous plaît. Vous parlez. C'est vous qui avez la police de demain, monsieur le président. Votre honneur, vous de faire contre l'aise. Votre honneur, s'il vous plaît. Le procureur a le droit de demander certaines choses, mais exprimez-vous. Votre honneur, laissez-moi. Oui, qui parle? Moi, je crois qu'ici, le diable se trouve dans les détails. Je crois que le rôle du ministère public qui m'a mis ici et qui a retenu cet homme de charge contre moi, c'est le moment de me dire que je pas me dire que je suis habillé, je ne sais pas comment. Donc si je viens à pays des musulmans, vous allez me dire non, ce n'est pas aussi approprié. Mais vous êtes habillé tout à l'heure. J'ai des problèmes respiratoires très sérieux. Vous n'arrivez pas à demander au directeur de la prison. Moi, je ne fais pas du théâtre. Okay, je suis en train de vous épargner beaucoup de choses. Okay. Je serai théâtral, vous allez le voir sur Internet. D'accord. J'ai porté des électrodes depuis un appareil pour assister mon cœur ici pendant des jours. Je n'ai rien dit à personne. Les photos sont là. Non, ça va, appareil. Ça va. Monsieur le président, est-ce que. C'était le chapelier de l'âge, mais c'est. C'est Jésus-Christ. Monsieur le prévenu Camer a déjà eu affaire à avoir quelques acquisitions immobilières. Pardon? Dans la ville de Kinshasa. Oui. Est-ce qu'il a déjà eu affaire à quelques acquisitions immobilières? Avoir des acquisitions immobilières dans la ville. Dans la ville. Oui, est-ce que vous avez déjà acquis quelques acquisitions? Ça, c'est ma vie privée protégée par la Constitution, puisqu'elle est bien. Du procureur, moi je ne le connais pas non plus. C'est ma vie privée. Revenons dans ce qui m'est reproché là-dedans. Tout de suite, maintenant. Monsieur le Président. Ça fait 30 ans que je travaille. Monsieur le Président, vous devez connaître qui est devant vous. C'est très important. Qui est devant... Il n'y a pas de vie privée devant le tribunal. Le tribunal doit savoir qui il est. Il a vécu comment. C'est un homme bien, honnête. Tout ça, le tribunal doit connaître, monsieur le président. Votre, je vais répondre. Votre, je vais répondre. Vous voulez répondre? Je voudrais répondre. Allez-y. Votre honneur, vous voulez bien dire au procureur que quand j'exerçais les fonctions de ministre de l'information, j'ai eu l'obligation constitutionnelle de déclarer mes biens, je les avais déclarés. Quand j'exerçais les fonctions de président de l'Assemblée nationale, j'ai déclaré mes biens. En tant que directeur de cabinet, la Constitution ne m'impose pas cette obligation. C'est ma vie privée. Restons dans la prévention. Vous allez tirer les conséquences de ces... Oui, monsieur. Est-ce qu'il connaît les chefs de division du cadastre, M. Kanyemecha? Qu'est-ce que ça... Est-ce que vous connaissez... C'est un rapport avec les... Est-ce que vous connaissez les chefs de division du cadastre, M. Kanyemecha? Il n'est pas cité ici. Non, c'est... Il est... Pardon? Il est cité dans le dossier. Dans... Oui, je le connais. Est-ce que vous le connaissez? Je connais Kanyemecha. Ok, il dit qu'il le connaît. Est-ce que tu peux confirmer que c'est par lui, chaque fois qu'il a une acquisition immobilière, que c'est par lui qu'il reçoit tous les documents? Oui. Là, vous entrez dans le ministère public voudrait savoir... Non. Là, il entre dans la vie privée. Je m'a demandé si je connais Kanyemecha, je le connais. Oui, vous le connaissez, est-ce que c'est par lui que vous avez les documents lorsque vous acquérez quelques biens immobiliers? Votre honneur, on n'est pas ici pour parler de ma vie privée. Je vous respecte beaucoup et donc moi je vous ai dit que je connais Kanyemecha. Ok, merci. À partir du moment où je rencontre les gens du parquet, des messieurs me demandent si je connais Coco, je vais dire je connais Coco désormais parce que je l'ai vu. Vous connaissez Sylvain Calou, je les connais. Pourquoi il va revenir surtout sur... C'est comme ça, il a des circonstances de la vie qu'il faut que... Le magistrat est devenu son ami ou dans ma vie privée, je suis encore en train de répondre, je ne sais pas si vous pouvez m'accorder cette indulgence. Allez-y. Ma vie privée n'est pas à l'ordre du jour ici. Vous avez... Quand je parle, est-ce que vous pouvez me protéger?
c'est pas si c'est interdit que quand un prévenu parle, vous êtes protégé, les procureurs et les avocats de la République. Je ne vous ai pas arraché la parole. C'est je me retrouve encore à l'université. Allez-y, qui me laisse parler. Allez-y. Donc, ici, le 23, j'ai dit le 23 janvier 2019, le président n'était pas encore investi, je n'étais pas directeur. Vous avez déjà répondu à la question. Alors, l'histoire de Kanyemé, je crois que là, vous avez répondu à la question. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais juste, quand j'ai posé cette double question, pour vous dire que tout ce qu'il a en matière immobilière, ça passe par. Je n'ai pas suivi. Ça passe par les chefs de division du cadastre Kanyemé. Il reviendra vous le dire. Et même les documents, la donation là, est passée toujours par la même voie. Bien. Pour vous confirmer que ça a été donné à lui. Ok. Merci. Non, votre honneur. Oui. Je ne peux pas laisser passer ce que les. Attendez, n'est-ce pas? Je ne peux pas laisser passer ce que le procureur est en train de dire. Réagissez. La donation. On vient me donner un terrain donnant. Kanyemé vous a dit qu'on m'a donné le terrain. Moi, j'ai accepté ce terrain-là. C'est parmi les gens, justement, à qui, puisqu'il est dans le bureau d'Engaliema. Adressez-vous au tribunal. Oui, je m'adresse au tribunal pour dire cette histoire allait annuler ça. Et il vous le dira. Comment? En ce qui concerne ma vie privée, c'est ma vie privée. Bien, je merci. Peux connaître quelqu'un aujourd'hui. Je connais aujourd'hui beaucoup de gens. Mais s'il arrive que cette personne commette un crime, on va me le mettre sur le dos. Bien, merci. Merci. Bien. Je pense que nous allons maintenant faire comparaître les témoins. Et comme nous l'avons annoncé, c'est en raison de leur contribution à la manifestation de la vérité au regard des différentes incriminations que nous allons les appeler. Nous avons dressé une liste. Nous avons dressé une liste par rapport aux différentes citations à témoins qui ont été lancées. Nous allons demander, à l'administration de nous amener, de nous faire venir le témoin Bitakura. Monsieur Bitakura, ancien ministre du Développement Rural, s'il peut venir. Le propos du prévenu Kanyemé par l'ancien ministre du Développement Rural, Justin Bitakura, qui va d'un moment à l'autre comparaître devant les tribunaux et répondre aux questions du ministère public, mais aussi de la partie civile. Amis téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler que nous sommes en direct de la prison centrale de Makala. Et c'est grâce à la Radio-Télévision Nationale Congolaise que vous suivez en direct ce procès inédit. Tout ce qu'il y a comme contenu dans cette affaire de présumé détournement de fonds publics alloués aux travaux de 100 jours, programme d'urgence des 100 jours tel qu'initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et là, c'est le prévenu Bitakura qui, d'un moment à l'autre, sera devant la barre. Il faut noter également que les cités Bitakura, ça, je tiens à rectifier, les personnes citées ont été isolées à l'écart de tout ce qui se passe sur place pour que, qu'ils ne puissent pas connaître l'influence ou encore tenir des propos teinté d'une certaine influence en suivant en direct comme toute autre personne s'est poussée.
kweli bwana Kenina, tunaona pale bwana Bitakwira aliweza kuwa alikuwa waziri wa maendeleo vijijini zamani, ndiye naye anakuwa sasa vile mshuhuda kwa kuna kwamba aliweza kutajwa mara mingi katika swali. Tous les éléments du nom, lieu, date de naissance, etc. Ça passe pas? Ça passe pas. Ça va, on dit que ça va. Ça va, mutez. Je m'appelle Bitakwira Bihonahai Justin. Je suis né le 5 décembre 1960 à Lemera, dans le territoire d'Ouvira, collectivité de Bafoulirou, groupement de Lemera, dans la province du Sud Kivu. Je suis ici en tant qu'en... Non, c'est pas tout. Vous êtes... vous avez... Quel est votre état civil? Je suis marié, père de 6 enfants. Votre profession? Pardon? Votre profession? Mais je suis ministre honoraire du développement rural. Votre adresse? Mon adresse, c'est Abdoulou Petito, numéro 48, commune de Bandalungwa. Bien. Est-ce que vous avez des reproches à faire à ce témoin? Parti, vous avez des reproches à faire au témoin? Si vous n'avez aucun reproche, nous allons l'entendre sous la foi du serment. Monsieur, cela veut dire que... Oui, vous avez... Bon, je pense que la qualité de témoin ne lui convient pas. On sait qu'il est signataire de quelques correspondances auxquelles votre tribunal aura égard. Non, c'est les reproches qui sont faits aux témoins, c'est en rapport avec ses relations éventuelles avec les partis, un lien d'inimitié, d'amitié, un lien d'amitié ou bien quelqu'un qui l'inimitié. Votre honneur, mais... étant donné qu'il a géré, il a intérêt personnel à justifier ce qu'il avait fait ex-qualité. Alors, les témoins. Et c'est lui qui est tiers allez-y. À la situation par lui observée. Dans laquelle situation il ne doit pas avoir un intérêt direct ou indirect. Ok. Professionnel ou autre. Ok. Oui, vous avez à dire. Nous sommes aussi d'avis que, parce qu'un témoin, c'est celui qui a pris. Qui l'entend. Mais dans les cas d'espèce, il s'agit d'une personne qui a eu-même à participer. Yes. Faut-il considérer un participant dans une opération comme étant un témoin? Il n'est pas témoin, il vient renseigner plutôt votre tribunal sur le fait à sa connaissance. J'ai dit. Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, Monsieur le Procureur Général, je ne sais pas si ce qui nuit à la défense, c'est que M. Bitakwira soit là comme témoin ou renseignant. Je ne sais pas si sur le plan de l'orthodoxie juridique et dans notre corpus, il existe une citation en renseignant. Voilà, s'il n'est pas dépositaire par état de secret et qu'il a des renseignements à fournir à votre tribunal pour ce qu'il a fait ou entendu, je ne sais pas si nous allons nous mettre à discuter sur la sémantique pour savoir s'il vient comme renseignant ou comme témoin, si tant est que dans notre législation, il doit venir sur pied d'une citation à témoin. Deuxième, je termine par là, Monsieur le Président. Cette défense est révélatrice des personnes que vous avez de vos vraies révélatrices. On a cité Bitakwira matin, midi, soir, et quand Bitakwira est là,
Ben non, non. Bon, voilà. Bien, merci. Non, il doit pouvoir, pour la partie civile, fournir les éléments d'information, notamment en rapport avec les merci. Fameux contrats. Merci, merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Ce que nous retenons de tout ce qui vient de se dire ici, c'est qu'il n'y a aucune partie au procès qui a dit qu'il y a une relation d'inimitié ou d'amitié avec les parties. C'est ce qui est intéressant. Et pour vous et pour nous, tout ce que vous avez appelé ici aujourd'hui, il y a eu à participer d'une manière ou d'une autre. C'est par rapport à ça que vous allez les écouter et que vous allez vous faire une conviction. N'est-ce pas? Moi, je pense que ce qu'il va dire là va aider votre tribunal merci. À se faire une conviction. Merci. Bien. Le tribunal voudrait faire observer ceci que dans la législation congolaise en la matière, c'est-à-dire le code de procédure pénale comme civile, le terme renseignant n'est pas consacré. On parle de témoin. Alors, le témoin dépose soit sous la foi du serment, ou il est entendu à titre de simple renseignement. Et il est entendu à titre de simple renseignement lorsque il y a des liens d'amitié, de subordination, de parenté, ou il y a quelqu'un qui est une amitié avec une des parties. En ce moment-là, il est entendu sous à titre de simple renseignement des juges. Mais sinon, s'il n'y a pas ce lien-là, il dépose sous la foi du serment. Et c'est à ce risque et péril, parce que les déclarations qu'il ferait, si elles s'avéraient fausses, il pourrait être poursuivi pour faux témoignage. Dans le cas sous examen, M. Bitakura, ici présent, n'a aucun lien de parenté, d'amitié, de subordination, ou une quelconque inimitié avec une des parties ici. Donc le tribunal estime qu'il doit déposer sous la foi du serment. Cela étant, nous allons l'inviter à lever sa main droite, à dire après nous, je le jure. Donc, est-ce que vous attendez que le tribunal termine? Que le tribunal termine d'abord. Est-ce que vous... Que le tribunal termine. Le tribunal juge les reproches. Il les juge et puis on passe. Est-ce que vous levez la main droite, dites. Il y a des liens. Oui. Entre Bitakura et moi, des liens. Je vais les démontrer même. Quel lien? Vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ces liens, mais... Non, mais vous posez la question. Non. On va poser la question de savoir quelles sont les reproches. Non. Pardon? Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Pardon? Il n'y a pas de conclusion. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Mais faites les choses selon les règles de l'art. Attendez, lorsque... Ça ne me dérange pas. Non. S'il vous plaît, prévenez. Oui. Lorsque un témoin, je vous renvoie à la loi, oui. Lorsque un témoin arrive, avant qu'il dépose, le juge pose aux parties la question de savoir s'il y a des reproches. Et ces reproches sont jugés. Et c'est ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas fait état d'un quelconque lien de parenté ou une amitié quelconque avec lui. Votre honneur, sauf erreur de ma part. Oui. Vous avez demandé si nous avons des reproches à faire au ministre Bitakura. Nous avons dit non, c'est ça la vérité, il n'y a pas de reproches à lui faire. Tout à fait. Maintenant, si vous nous posez la question de savoir s'il y a des liens particuliers avec vous lui... Vous savez... Ah non. Attendez. C'est en cela que nous invitons vos avocats à vous conseiller. Non, c'est moi-même... S'il vous plaît. Suivez. Lorsque on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des reproches, cela veut dire quoi, les reproches? Non, c'est, ça va arriver les avocats. Non, les avocats le savent, suivez. Les reproches signifient que vous avez quelque chose à dire sur lui. Est-ce que vous avez une inimitié quelconque, vous avez un lien de parenté, vous avez ceci, cela, qui pourrait empêcher que
il soit plus ou moins objectif. C'est ce que ça signifie. Et c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit. Ne dites pas que cela n'a pas été dit. Votre honnêteté. Mais si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, vous avez... mais cela a été dit. Je m'excuse beaucoup. Je vous en prie. De n'avoir pas bien compris ce que vous avez dit. Peut-être. Avant. Je voulais dire que ce n'est pas négatif. Mais il faut qu'on dise la vérité. Que moi, aujourd'hui, publiquement, je dise que je n'ai pas de lien avec Bitakura, personne ne comprendra ça. Non seulement nous sommes ressortissants du même coin, mais il était président de mon groupe parlementaire pendant longtemps, dans mon parti. Ça sont des lieux forts. Entre un président du parti et son président du groupe parlementaire, il avait dit lui-même devant l'avocat général lors de la confrontation, il avait dit, c'est mon frère, c'est mon président, mais ici, c'est la fête de l'État. Alors, dire cela, c'est mauvais. Non, c'est... Alors, vous estimez que... Non, ça ne me dérange pas, mais je voulais seulement vous donner l'information. Bien, merci, mais le tribunal estime que ces liens, quoique pouvant exister, ne sont pas de nature à empêcher qu'ils soient entendus sous la foi du serment. D'ailleurs, c'est à ce risque et péril. Monsieur Bitakura, vous allez déposer, mais sachez que si vous ne dites pas la vérité, le ministère public, comme toute personne qui serait préjudiciée par ce que vous direz, est en droit de vous poursuivre pour faux témoignage. Alors, levez la main droite, dites après moi, je le jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dites, je jure de dire la vérité. Vous dites seulement, je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur Bitakura, confirmez-vous avoir exercé au sein du gouvernement Tshibala les fonctions de ministre en charge du développement rural? Oui, je le confirme. Et à ce titre, est-ce que vous confirmez avoir signé au mois d'avril 2018, si je m'abuse, collègue, au mois d'avril 2018, est-ce que vous confirmez avoir signé un contrat avec la société Sanibo de monsieur, société dirigée par monsieur Jamal, pour la livraison d'un certain nombre de maisons préfabriquées à la République? Oui, sur instruction de mon Premier ministre, par sa lettre de... j'ai abouti à signer un contrat avec la maison, la société Sanibo, de 900 maisons pour 9 provinces, l'équivalent de 26 500 000, toutes taxes comprises. Est-ce que ce contrat avait reçu le quitus, donc le visa conforme de la Direction générale des contrôles des marchés publics? Oui, ce contrat a reçu le quitus, c'est-à-dire la validité de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et ce contrat a été approuvé par le même Premier ministre. Il nous revient que ce contrat n'a pas été exécuté. Qu'en est-il? Au fait, ce contrat de 900 maisons pour 9 provinces à 26 500 000 dollars devait être payé en 3 tranches. Et la première tranche qu'on avait demandée était de l'ordre de 7 250 000 dollars. Donc de janvier jusqu'en décembre 2018, l'État a bien dit qu'il n'avait pas d'argent dans le trésor pour payer ce montant. Et puis, pas payé, il n'y avait pas d'argent dans le trésor pour payer le montant demandé pour ce contrat-là. Mais je spécifie que c'était prévu que ça devait être payé en 3 tranches. Bien, merci. Alors, dites un peu à l'intention du tribunal, parce que on nous a dit que lors de l'avènement du président de la République actuel, un programme
de 100 jours, un programme d'urgence de 100 jours a été mis en place. Et dans le volet habitat, ce projet-là aurait été retenu. Et que un avenant serait signé ou était en voie d'être signé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur cet avenant ou sur une éventuelle reconduction de ce contrat-là? D'abord, je dois vous informer que lors de l'avènement effectivement de la République, j'ai appris par mon secrétaire général, il est parmi les projets récupérés par la présidence de la République et doit faire partie des projets ou du programme de 100 jours. Mais plus tard, s'agit de la correspondance, c'est Jamal, 2019. Quand vous aurez besoin de mes pièces, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer les contrats parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons, ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces, c'est maintenant 5 provinces. Et ce n'est plus 26 500 000 dollars. Ça devient 57 millions de dollars. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Il m'écrit au mois de mai, mais la facture date de 3 mai, de 3 mars, oui, 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidente et qu'il fallait faire de... Il fallait régulariser le projet. J'ai tous mes courriers. Bien. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par mes messages téléphoniques ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne, secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution du projet de 100 jours, le ministère du développement rural ne figure pas. Le directeur de cabinet le sait, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu ma prime. Je ne figurais pas. Le ministère du développement rural ne figurait pas. Donc vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission ou de la supervision de la commission qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais, je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. C'est pas... et j'irai plus loin. Parce qu'ici, nous sommes sur la ligne de temps. Nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régularisation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers, des correspondances qu'on a étalées par-ci, par-là. Ministère des Affaires foncières, Bitakura a écrit, j'ai écrit dans la Direction générale du contrôle du marché public. Jusqu'au bout, au mois de juillet, la lettre du 10 juin de la DGCMP fait foi, a rejeté ce projet. Qu'il fallait le scinder en deux et que je devais faire de demande de deux autorisations. L'autorisation de l'ancien, du projet initial et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées. Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGCMP. Elle ne m'accorde que la réduction des provinces de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre du directeur de cabinet, M. Kamere, du 22 mai 2019,
me décharge. C'est-à-dire, il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et habitat. Moi, je me battais pour la régularisation jusqu'en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du directeur de cabinet. Bien. Donc, est-ce que vous considérez que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Mais dit ceci, le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait me le faire comme projet. C'est après l'analyse de la DGCMP que l'avenant sera signé. Et la DGCMP insiste, le contrat a signé, ou l'avenant a signé entre vous, entre le demandeur et le Samibo interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a deux mois. Il m'envoie chercher le produit à la pharmacie. Je viens lui dire que je n'ai pas trouvé de produit. Et il lui dit à l'opinion, voilà celui qui a tué. Non, le malade est mort entre ses mains. Ok. Bien. Oui. Attendez, tu vas vous poser une question. Monsieur Bitakoura, tout à l'heure, vous avez dit que le contrat initial avait été signé. Donc, toute taxe est confondue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il n'y aurait plus de frais de dédouanement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au musée du domaine rural était exonéré. Était exonéré. Et demander à la personne qui dit que le projet de 57 millions était du domaine rural, qui a demandé l'exonération? Ce n'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais pour débloquer les 57 millions? Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Merci. Merci. Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez des préoccupations? Non, non. Nous n'avons pas de questions, pas de préoccupations. Tout est clair comme l'eau de roche. Bien, merci. Parti civil, vous avez des questions? Monsieur le Président, juste une ou deux petites questions de précision. Monsieur Bitakwira parle de la décharge de son ministère par le directeur de cabinet du président de la République au profit de l'urbanisme suivant la lettre du 22 mai 2019. La partie civile voudrait simplement être sûre s'il s'agit bien de cette lettre-là. Si vous pouvez. Pardon, si. S'il s'agit bien de cette lettre-là, signée par le directeur de cabinet au mois de mai, envoyant le dossier à l'urbanisme et habitat. Prenez connaissance de la correspondance. Vous prenez connaissance pour savoir s'il s'agit bel et bien de cette correspondance. Et j'ajoute, votre honneur, monsieur le président. Il s'agit de cette correspondance. Il s'agit de cette correspondance, oui. Mais il y a une autre. Oui. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, d'alors, a signé un arrêté pour mettre sur pied une nouvelle commission d'exécution du projet de maison préfabriquée. Merci. Mais il s'agit de cette correspondance. Merci. Merci beaucoup. La correspondance, remettez-la au. La deuxième. Non. Donnez au prévenu Camille pour qu'il en prenne connaissance. La deuxième et la dernière question, monsieur le président. Oui. Monsieur le ministre parle de la facture Samibo pour un montant de 57 500 000 dollars américains. Je voudrais demander à votre tribunal de lui poser la question de savoir s'il s'agit bien de cette facture de Samibo datant du 6 mars. Du 6 mars 2019. Et la lettre de Samibo dont M. le ministre parle, est-ce que s'agit-il bel et bien de la lettre sans référence, sans numéro, datant du 3
2019. C'est pour connaissance. Vous présenter ces différentes correspondances. Et j'en aurais fini votre nom. Il en prenne connaissance. Greffier remettez-lui ces correspondances. Qu'il en prenne connaissance. Oui, il s'agit de cette correspondance. Il s'agit bel et bien. Oui, m'informe que la présidente de la République a récupéré le projet. Et la facture? La facture également, qui est différente de l'ancienne facture de mon ancien contrat. De 26 millions. Oui. Celle-ci est de 57 millions. Oui. Greffier remettez aussi cette correspondance. Et même le prix diffère à un certain endroit. Remettez ces correspondances au premier caméra. Monsieur le Président, puisque nous avons encore la parole, oui. J'aimerais bien savoir si on peut considérer pour Monsieur le Ministre Bitakwira qu'il n'y a pas de contrat. S'il peut considérer ainsi. Oui. Pour un contrat de 57 millions de dollars. Monsieur Bitakwira, dites-nous donc, on peut considérer que, d'après vous, on peut considérer que sur les 1500 maisons, sur les 57 millions de dollars compris, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, ni d'avenant. Merci beaucoup. C'est le moment satisfait. Attendez, question du tribunal. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Que le tribunal. Oui, que le tribunal lui pose la question et puis vous aurez la parole. Attendez. Oui, mon collègue, allez-y. Témoin Bitakwira, dites-nous précisément. Attendez, avec les. Quand avez-vous. Question du tribunal. Quand avez-vous appris que le 57 600 a été payé à la justice Namibo? Que les 57 millions. Oui, les 57 millions. Quand est-ce que vous avez appris qu'ils ont été payés? J'ai appris au mois de juillet. On l'a payé le 18 mars, semble-t-il. Oui. C'est au mois de juillet où je vois deux agents de l'ANER débarquer dans mon bureau. Effectivement, pour faire l'investigation, qu'ils ont appris qu'on a payé un projet de 57 millions de dollars à une société qui travaille avec mon ministère. J'ai dit à ces agents que je n'en sais rien, jamais entendu. Mais, plus tard, ça devait être avant ma réunion, que mon secrétaire général me dit, j'étais aux finances, on a les relevés du paiement de 57 millions de dollars. Et il me les a envoyés aussi dans mon téléphone. Apparemment, votre secrétaire général ne savait pas que Samibo avait été payé. Non, il ne savait pas non plus. Personne ne savait. Même moi, je suis au mois de juillet. Ça, je dois vous le dire. Et j'ai un autre élément important. Oui. L'autre élément important est que, selon la programmation de notre contrat initial, et j'ai le projet d'ordre d'émission, les maisons préfabriquées ne devaient pas quitter la Turquie avant que mes experts des services nationaux d'habitat rural n'aille à Istanbul. On avait déjà des projets d'ordre d'émission pour aller vérifier la qualité de ces maisons. Et c'est par après, j'ai la correspondance du directeur de cabinet du président de la République. Il écrit au commandant de la garde républicaine d'aller identifier les lieux à Kanchachi parce qu'on doit commencer à installer les maisons. Je ne sais même pas quand est-ce que ces maisons sont arrivées. En quoi j'avais affaire? Je suis tellement court, on ne peut pas m'associer. Ok, merci. 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 Je crois que vous avez fini. Je voudrais donner maintenant la parole Vous avez des préoccupations. Une question, oui. Oui, allez-y, mais. Allez-y. Allez-y. Vous avez la parole. Je constate que dès l'entrée du jeu, M. Bitakwira a eu à prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité, comme Thomas. Bon. La pertinence, bien qu'opposée avec la partie civile, mais la pertinence de l'un de conseil de la partie civile en la personne du confrère Kalouba nous a un peu éveillé. Le témoin Bitakwira atteste sur la question du confrère Kalouba qui ne connaît pas ou qui n'a jamais existé un contrat de 57 millions 600 à sa connaissance. Bon, je pense que c'est ça. Alors, on voudrait tout simplement, parce que nous avons deux pièces ici, nous avons le contrat et l'avenant,
signé par M. Bitakwira le contrat d'avril 2018 et l'avenant qui n'est pas un contrat bien entendu de 2019, nous voudrions par votre tribunal, puisse poser la question à M. Bitakwira s'il reconnaît les deux signatures apposées sur les deux documents. Vous voulez le donner au greffier, vous le donner. M. Bitakwira a pris connaissance. Il y a le contrat de 2018, n'est-ce pas? Oui, il y a le contrat de 2018 et un avenant de 2019 signé entre M. Bitakwira comme ministre du développement rural et M. Sami Jamal. Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a deux signatures qui l'attestent tout simplement si ces signatures... Micro, s'il vous plaît. Micro. Ça, c'est le contrat de... C'est le projet d'avenant de 2019. Avril 2019. C'est ce projet d'avenant qui est rejeté par la direction générale du contrôle des marchés publics. Que mes services ne devaient pas envoyer un projet déjà signé. Il fallait qu'on envoie un avenant non signé pour que les experts de la GSMP examinent et c'est à eux de me proposer le modèle d'avenant. J'ai les pièces. Et j'assume. Et j'assume. D'accord. Le contrat d'avril 2018, c'est le contrat initial qui avait rempli toutes les conditions à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics. Avait rempli toutes les conditions. J'ai toute une pile de documents validé par la Direction Générale du Contrôle du Marché Public et approuvé par le Premier Ministre. Et c'est chez Okitundu qui faisait l'intérim de Bruno Tshibala à l'époque. Okay. J'ai ces documents-là. Merci. Quand vous en aurez besoin, je les verserai. Merci. Oui, bien, Monsieur le Président, donc, si on doit admettre, et une parenthèse, Monsieur le Président, vous demandez à la Défense si peut brandir un contrat d'après le 25 juillet. Parce que la dernière lettre de la Direction générale du marché public à mon endroit date du 25 juillet. S'ils ont un contrat qui vient après le 25 juillet, qu'ils me le brandissent. Ok. Qu'ils me le brandissent. Ok. Parce que ça t'est arrêté là. Et d'ailleurs, j'étais déjà dans une aventure. Parce qu'on m'avait déjà déchargé depuis le mois de mai. Le projet n'était plus à mon ministère. Il est allé à l'urbanisme et à l'État. Et je continue à insister que de 57 millions de dollars, je n'ai jamais engagé la République démocratique du Congo pour demander la mise à disposition des fonds de 57 millions de dollars. Jamais. C'est lui qui a engagé la République. N'a qu'à assumer. Si M. Kamere avait un plan de décaissement, et qu'il a mis Samibo sur la liste à payer 57 millions, il n'a qu'à assumer. Elle est là. Il n'a qu'à assumer comme moi. Ok. Merci. Oui, Monsieur le Président, je constate le sérieux du témoin Bitakwira comme une crise cardiaque. Il est très sérieux. Il reconnaît au moins qu'il a eu à signer. Gardez les commentaires. Pas de commentaire. Ce n'est pas un commentaire. Il est sérieux. Mais justement, il a reconnu. Là, c'est la dernière question. Oui. Il a reconnu avoir signé un projet d'avenant. C'est ça la question. Il reconnaît avoir signé un projet d'avenant. Oui. Tant que ce n'est pas validé par la Direction générale du contrôle des marchés publics, c'est un projet. J'atteste et j'assume. Ok. Merci, monsieur. Merci. Oui, maître le bigot. Non, allez au micro. Allez au micro. Votre honneur, nous parlons de la République. Je crois que M. Bitakwira, témoin, doit répondre en tant que responsable qui a y assumé de hautes fonctions. Posez des questions. Maintenant. Nous allons poser des questions, votre nom, mais il y a des observations à faire parce que nous avons... Non. Posez des questions. Les observations, c'est au moment opportun. Monsieur Bitakwira a dit devant votre tribunal que ce contrat n'existait plus. C'est-à-dire le contrat de 26 millions. Alors qu'il y a un document qu'il a signé. Nous lui posons la première question de savoir...
selon lui, en tant que ministre du développement rural, puisqu'il fait un distinguo entre un projet et un contrat. Ici, nous sommes en présence d'un contrat. Quel est le mode de résiliation d'un contrat? Votre nom. Votre nom, il a été ministre. Il a été ministre. Non, ça, non, c'est non. Il a soutenu devant votre tribunal. Il a soutenu devant votre tribunal que tout projet au développement rural faisait l'objet d'une exonération. Pardon? Il a dit tout projet au niveau du développement rural faisait l'objet d'une exonération. Que dit-il de ce contrat qu'il a eu à signer avec M. Djamal, dont l'article 6 dit qu'il revient au titulaire du marché d'être responsable de paiement de frais et autres taxes? Votre nom, il s'agit d'une question qui concerne la République. Parce qu'il y a des témoins qui auraient dû être aussi cités devant vous. J'ai dit votre nom. Bien, merci. Répondez à la question, elle est claire. Je n'ai pas besoin de papa, je travaille. Oui, vous avez répondu? Oui, allez-y. Je voulais d'abord dire ici que le contrat de 26 millions, le contrat de 26 millions de dollars, je peux dire qu'il a été, il est devenu caduc. Parce que nous avions demandé les fonds équivalents à 7 250 dollars comme première tranche. Si vous observez le premier paiement de M. Djamal à la banque, c'est 14 millions de dollars. Donc nous, on ne nous a pas avancé les 7 millions qu'on avait demandé à l'époque, mais on a payé le premier paiement, vérifiez bien, c'est 14 millions de dollars. Ça, quel est le rapport avec mon contrat ici? Donc il y avait de l'argent à jeter à la fenêtre, prenez encore 7 millions de plus, c'est ça. Ce contrat n'a eu aucun début d'exécution. Et la direction générale du contrôle public m'a bien dit, monsieur le ministre, elle a résisté du début jusqu'à la fin. C'est deux projets différents. Bien, merci. Mais je voudrais. Le procureur voudrait intervenir. Non, c'est juste peut-être pour demander au tribunal de passer au second témoin. Non, non, que... le tribunal voudrait par contre. Attendez. Le tribunal voudrait faire intervenir le prévenu Kamere parce qu'il est abondamment cité. Qu'il réagisse par rapport à ce que. Tout ce que le témoin vient de dire au sujet de ses différentes interventions à travers ses correspondances dont on a fait état ici. Allez-y. Merci, votre honneur. Je voudrais ici être clair, comme je l'avais dit la fois passée, on ne vient pas ici pour faire rire les gens, non. C'est bon, ça nous donne un peu de la bonne humeur puisqu'on est resté longtemps. Mais c'est pièce contre pièce. La première pièce, les deux premières pièces, c'est que Sierre Bitakoua vient de reconnaître, ce sont les contrats et l'avenant. Et il a dit ici, après le mois de mai ou de juin, s'il y a un avenant qui a été signé après moi, il n'est pas valable. Et je voulais lui dire, monsieur Bitakoua, vous avez raison, après vous, il n'y a pas eu de contrat. Un autre contrat qui a été signé. Les deux que vous avez signés, ce sont les deux-là qui nous servent de soubassement jusqu'à présent. Ça, c'est de un. De deux, puisque dans cette ambiance où nous sommes en train de rire, on peut perdre de vue ce que les juges recherchent comme objectif. Et le ministère public, d'ailleurs, et les avocats de la République, parce que nous pensons que... Rassurez-vous, le juge est très attentif. Non, c'est j'ai remarqué. J'ai remarqué. Je voudrais dire... au témoin Bitakoua et rassuré par vous, je lui dis par le président du tribunal, rassuré le témoin Bitakoua et l'avocat général que la lettre ici ne détache pas à Bitakoua ses prérogatives initiales.
Vous savez, monsieur le président, quand on présente une lettre comme ça rapidement, on dit, c'est comme la fois passée. Avec votre autorisation, je vais lire la lettre. Elle est trop courte. Et vous allez voir que personne n'a déchargé Bitakuira. Seulement, la Constitution reconnaît à chaque ministère ses prérogatives. Il y en a qui sont exclusives. La localisation des sites dans les villes, dans les agglomérations urbaines, c'est une attribution exclusive du ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions. L'octroi des terres, c'est une prérogative exclusive du ministre des Affaires foncières. Alors, je voudrais lire la lettre ici. J'ai réservé copie à beaucoup de gens, en commençant par le président, le premier ministre, tout le monde, comme sauf d'habitude. À moi. Comme d'habitude, oui. Sauf à moi. Non, non, si vous l'interrompez. Je vais lire la lettre. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Oui, oui. Je m'adresse ici à son Excellence, monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Thomas Luaka qui faisait l'intérim de Kokonyangi. Parce que j'ai aussi les documents de Thomas Luaka. Votre honneur, je peux continuer? Oui, allez-y. Dans le cadre du programme des 100 jours de son Excellence, monsieur le président de la République, il est prévu l'acquisition de 1500 unités de logements en préfabriqué devant être implantées dans 5 provinces du pays, respectivement Kinshasa, au Congo central, au Kassai oriental, au Congo central et au Sud-Kivu. Pour permettre une meilleure exécution de ce projet, je vous demande de mettre en place dans le meilleur délai une commission ad hoc chargée de l'identification des sites d'accueil et de l'étude d'occupation du sol ainsi que de la viabilisation des 10 sites en vue de l'implantation des équipements du parc immobilier dont question. Cette commission composée, comme indiqué dans le tableau en annexe, travaillera sous la supervision des experts du programme du président de la République, parce qu'ils sont des experts des différents ministères. Et là, nous allons voir où est-ce qu'on a inscrit le développement rural. Voici les grandes indications données au ministre. Composition de la commission technique des 100 jours du président de la République. Première colonne, président de la République, expert chargé du programme du président. Ministère de l'urbanisme et habitat, conseiller chargé de l'urbanisme, directeur de l'urbanisme, directeur de l'habitat. Ministère du Développement Rural, c'est-à-dire que dirigeait M. Bitakuira, parce que nous sommes le 22 mai, il n'avait pas encore démissionné. Le Développement Rural est là. Pourquoi on lit la lettre, on ne lit pas ses annexes, il est tout fait un ensemble. Ministère du Développement Rural, nous avons expert au Service National d'Hydraulique Rural, expert au Service National d'Hydraulique Rural, expert juriste à la cellule d'appui au développement rural. Il y a le ministère des Affaires foncières, il y a le ministère de l'Énergie, il y a le ministère des Infrastructures. Donc je voulais d'abord élaguer ce premier mensonge qui consistait à dire qu'on avait retiré à M. Bitakuira les contrats. Je continue. Je voudrais ici, puisque M. Bitakuira a dit que ces jours-là c'était au revoir, monsieur la caméra, ici, mon frère, vous pouvez consulter. Vous avez dit que vous n'avez monsieur le président, adressez, je m'excuse. Il a dit ici qu'il n'a jamais été associé d'une manière ou d'une autre et qu'il n'a jamais mandaté qui que ce soit au programme des 100 jours. Ici, dans la coordination des 100 jours élargie aux experts des secteurs concernés par le projet de 1500 maisons, on a ajouté 6 experts. Parmi lesquels, pour le développement rural, nous avons M. Kolomata Mbuta Joseph. Il est chef de division de CNM, je ne sais pas c'est quoi, développement rural. Il y a Ngoy Majambu Constanté, chef de division CNARU, développement rural. Nous avons Mbaya Kulenduka Christophe,
conseiller chef de service. Nous avons Bilaka Tantik Richard, directeur au développement rural. Nous avons M. Magbema Nyanza, et il est coordonnateur CTA au développement rural. Numéro de téléphone renseigné, adresse mail bien repris, et tous ces gens, ils avaient rempli ceci après plusieurs réunions à la présidence de la République. Je suppose, pour avoir été moi-même ministre, quand on m'écrit ou quand on m'informe que mon ministère est concerné par une réunion ou par une commission, je peux y envoyer mon secrétaire général, je peux y envoyer un conseiller. C'est le cas. Je voulais que ceci soit acté et le document va vous être remis, votre honneur. Oui. Alors ici, non, je vais évoluer doucement. Monsieur Bitakwira écrit, je crois, en 2019, j'ai pas pu, en avril 2019. Il s'adresse à monsieur le ministre des Affaires foncières pour lui parler des 1500 maisons. Cette lettre-là. Mais il ne s'est pas adressé à la bonne personne. Puisque dans les agglomérations urbaines, c'est le ministre de l'urbanisme et habitat. Et qui a tout de suite mis en place, arrêté à l'appui, signé par Thomas Louaka, un arrêté de ce site-là. Et l'arrêté est là. Il est signé par Thomas Louaka le 6 juin 2019. Alors, nous, tout ceci est en train d'être signé et vous dites que l'État n'a pas pris d'engagement. Alors, ici, M. Bitakwira a dit que pour lui, parce qu'ils avaient demandé 7 500 000 dollars américains, ils n'ont pas pu les payer. Les raisons sont connues, ce n'est pas moi qui vais expliquer ça. Il y a eu beaucoup de factures de l'État qui n'ont pas été payées pendant la période électorale. Mais quand nous arrivons, nous avons le projet du Premier ministre Tshibala signé par, dont le contrat signé par M. Bitakwira en avril 2018. Merci Bokolombe, parce qu'il a reconnu qu'il a signé, mais il a ajouté que ça a fondamentalement changé. Ça équivaut à résiliation du contrat. Non, le contrat existe. Et on ne peut pas parler d'avenant s'il n'y a pas un contrat de base. Et quand ce contrat subit des modifications, c'est plus tard, ce n'est même pas moi qui écris, c'est le ministre Bitakwira. Je vais faire le même exercice que mon frère de tout à l'heure pour être sûr que je ne suis pas en train de mentir ou avoir photocopié, imité sa signature. Comme il a fait sous serment, j'aimerais quand même élaguer les derniers mensonges de notre frère. Ça, c'est Bitakwira qui écrit, puisqu'il s'est arrêté expressément au mois de juillet, pardon. Sa lettre est de juin, la réponse de la direction du marché public est de juillet. Mais la réponse de la direction du marché public lui demande à lui d'ajouter des compléments, notamment la facture et autre chose, pour que permettre à la direction du marché public de signer ce document. Et il écrit en ces termes, en réservant copie au président de la République, c'est comme ça que moi j'ai eu ce document. Il écrit le 5 juillet 2019. Tout à l'heure, sous serment, vient de dire s'il y a une correspondance après, en tout cas, ça, ce n'est pas moi, c'est parce que je suis court, on ne me voit pas. Non, ça a fait rire les gens, mais moi, je vais vous lire après, votre... S'il vous plaît. Je vais vous lire votre correspondance. Ne lisez pas tout, donnez seulement la... Non, c'est courte. Pourquoi je ne veux pas tout lire? Je suis en train de me défendre. Allez-y. Ma vie est en danger, mon avis est en danger. Allez-y. Ah non, je dois lire. À monsieur le directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGSMP, à Kinshasa Gombe. Ça, c'est Bitakwira qui écrit. Il y a le cachet du ministère de budget qui a réceptionné chez le président de la République, partout primature, donc ce n'est pas info. Et il écrit ceci. Accusé de réception de votre lettre du 10 juin 2019. C'est-à-dire la lettre du directeur général de la direction des marchés publics qui avait demandé qu'il complète, il ne pouvait pas accorder l'anneau tant qu'il n'y a pas ces éléments-là.
Votre honneur, est-ce que jusqu'à là, vous pouvez demander au témoin s'il reconnaît quand même que je suis dans le bon, c'est sa lettre? Non, allez-y, vous, il va réagir. Allez. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, c'est-à-dire la lettre qui avait fait qu'il n'est pas l'autorisation, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ses plis. Ça, c'est le ministre de Bitakura qui écrit, ce n'est pas le directeur de cabinet. Et pourtant, j'étais en fonction. Pour obtention de l'avis de non-objection des projets d'avenant au contrat numéro 001/CAB/MINI-D/SG/DR/2018 relatif au marché des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du Développement rural, dans le cadre du programme de modernisation des nouveaux villages des jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation des marchés un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami, et voilà, pour un montant de 26 750 000 $ américains. Mais cette Bitakura a raison. Le premier contrat, c'était ça le montant. Mais seulement là où il a aussi encore raison, et il facilite la tâche, et au tribunal, et à nous tous, c'est dans les paragraphes, les deux derniers paragraphes, où il nous explique, il se pose la question. Moi, j'avais mis 26 millions, mais comment on est parti de 26 millions à 57 millions, donc Jamal a fait ceci, Kamer a fait cela, non. C'est lui qui écrit. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire, ces marchés dont les factures étaient non payées jusqu'en novembre 2018, il n'a pas menti, il réaffirme, avaient été récupérés pour être alignés dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300, c'est lui qui explique encore, et il poursuit par ailleurs. Si les 9 provinces pilotes proposaient les études des sols et la topographie, moi je ne suis pas spécial dans ceci, il a des études qu'on lui a données, ne renseigne que la disponibilité de terres à travers les 5 provinces ci-après. Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, c'est le mythe qui dit la conclusion. Il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui, et l'attributeur du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, c'est-à-dire M. Jamal, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, ainsi l'enveloppe impactant, ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 dollars américain au lieu, si les Français sont déplacés, au lieu de ce que nous avions fait avant, il informe au lieu de 26 750 000 comme prévu initialement. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. La réponse du directeur général des marchés publics, elle est affirmative. Du 25 juillet. Du 25 juillet. Ah, tu connais Marguerite? Je vais la lire. À votre demande. Du 25 juillet. Ok. À son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, demande d'avis de non-objection, projet d'avenant, modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. C'est ça l'objet de la lettre. Copie réservée au Président de la République. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'acquiser bonne réception de votre lettre numéro KB du 5 juillet 2019 par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection l'objet, le
le projet d'avenant relatif à la modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5 pour le compte du ministère du Développement Rural et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics émet l'avis de non-objection au projet d'avenant assigné entre le ministère du Développement Rural et le groupement Samibo Congo Carmode, comme vous l'avez demandé, relatif à la diminution des nombres de provinces de 9 à 5 devant bénéficier des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées. Veuillez agréer. Alors, donc, ici, non, s'il vous plaît. Le projet initiateur de 900, allez, ça c'est votre interprétation, c'est moi qui ai la parole. Non. Quand vous avez parlé, il n'est pas interprété. Oui, laissez-le parler, vous avez lui, il me répond. Parole, vous allez réagir. Votre honneur, toutes ces acrobaties-là ne servent à rien du tout. Parce que le directeur général des marchés publics répond à la lettre de Bitakwira, où il parle de 1500 maisons, où il parle que, il dit que la maison, le nombre de maisons par province parle, c'est de 100 à 300. Et c'est ça. Donc, ici, un autre mensonge. Vous m'excuserez, monsieur le ministre du Développement Rural, honoraire, le titre on le garde. Quand vous dites que... Et c'était très bien, je crois qu'il y a un avocat de l'autre côté qui vous a fait remarquer que vous avez dit que tous vos projets ont été exonérés. Ça nous facilite la tâche puisque tout à l'heure avec le ministère public c'était une incompréhension. Mais j'ai gardé l'élément ici en attendant votre arrivée. Vous savez que M. Bitakwira, là c'est bon, d'abord dans le contrat, et c'est avec raison que la direction des marchés publics vous a exiger les factures. Parce que quand vous transmettez votre lettre là au directeur général des marchés publics, il ne peut pas vous accorder l'anneau si en annexe il n'y a pas de facture. Mais voici la facture que vous avez acceptée, que Samibo vous avez envoyée. 100 maisons préfabriquées, villa duplex, 45 000 $ américains. Et prix total 4 500 000. 200 maisons, villas, 2 chambres, prix unité 35 000 $américains. Prix total 7 000 000 $américains. Prix total ici 11 500 000. Total général 57 500 000 $américains. Nous disons dollars américains 57 500 000. Ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC, SIF, port de Matadi, port de Dar es Salaam, port d'Angola, selon les liens de construction. Payable au compte numéro Samibo Robank. Et ça, c'est les documents qui étaient annexés à la demande de l'anneau que vous avez formulée. Et même si on remonte dans le passé, quand vous aviez demandé l'anneau pour avril 2018, c'est le même prix que vous avez pratiqué. Voilà pourquoi, en appliquant vos prix à vous là, nous étions en difficulté pour discuter avec M. Djamal, puisque, en vertu des principes de continuité des affaires de l'État, nous avons considéré que vous avez bien négocié et on a accepté ces maisons-là à 35 000, Sif Matadi, et je crois 45 000 pour le duplex Sif Matadi. Mais quand le président de la République décide, il dit, monsieur, vous avez fait du bon travail, mais je vais vous donner beaucoup de maisons, mais je voudrais que vous diminuiez sensiblement les prix. C'est là que les experts de la commission, c'est là que M. Djamal va commencer à faire des va-et-vient pour voir les experts, si jamais il va le dire. Il a souffert. Et là, c'est Sif Matadi. Et nous arrivons, puisqu'on va aborder le dossier tout à l'heure, on arrive avec lui à un prix de 19 000 $américains. Clé à la main, c'est-à-dire si le site, les transports n'interviennent plus rien du tout. Et alors, entre le ministre du Développement Rural, Bitakwira, qui pilotait le premier contrat et qui a réussi un avenant avec le prix qu'il avait pratiqué, et votre humble serviteur qui a la commission à la présidence, on peut se poser la question de savoir, puisqu'il s'agit de la même maison type 2, on a exclu les duplex type 2. Et on a ça à 19 000 $américains pour les policiers
et les militaires. Donc nous venons devant le tribunal pour que chacun de nous, ce n'est pas un pugilat, ce n'est pas un jeu de boxe. Moi, je n'ai jamais accusé Bitakwira. Dès ces jours-là, quand moi je l'avais vu, j'étais content, je me suis dit, oh tiens, il va reconnaître tout de suite sa signature. Donc, ma question est de savoir, à travers le président du tribunal, M. Bitakwira, s'il reconnaît que c'est lui qui avait signé cette lettre le 5 juillet 2019. S'il reconnaît. C'est ma question. Puisqu'il avait juré ici, que tout ce qui s'est fait après juillet, si vous trouvez ma signature, c'est grave. Vous avez donc... Attendez. Monsieur. Intervenez pas comme ça. Je vais suivre ce que... Je crois que vous avez fini votre réaction par rapport à ces allégations. Nous avons des questions. Il y a des questions qu'on peut se poser. Puisque quand un ministre a posé des actes en âme et conscience, lui, M. Bitakwira, n'est pas ministre de Finances pour dire oui, on n'a jamais payé, on n'a pas fait ceci, dont l'État de l'argent a jeté. Non. Il est ministre du Développement Rural. Le ministre du Budget a aussi ses attributions. Celui des Finances a aussi ses attributions, et ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale. Donc, ce que nous voulions, et ce jour, je me disais, ça tombe bien, c'est quelqu'un que je connais, il va reconnaître sa signature tout de suite, puisque j'avais été arrêté pour besoin de confrontation. Et quand on nous confronte, curieusement, il commence à parler, et puis je sors, c'était la première fois qu'il voyait la lettre d'après lui. Et ce jour-là, M. Bitakwira a écrit sur ma farde. C'est des numéros, Bitak, il a mis des numéros, Mokuba Torane. Mais je ne l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé, puisque moi j'estime que c'est très grave quand on est responsable à ce niveau-là, quand on a posé un acte. Moi, si je me pose aujourd'hui, si le ministre actuel Jolino a des problèmes, et que ça a des ramifications à l'époque où moi je suis ministre de l'information, si j'ai signé un document, je le signe et j'assume. Je ne commence pas à donner des explications. Bien, merci. Parce que la lettre parle d'elle-même. À moins que Bitakwira ne reconnaisse pas le programme du président de la République. Merci. Alors, vous allez répondre à cette préoccupation. Parce qu'il y avait d'autres questions. Et en même temps, donner aussi votre réaction par rapport à ce que le prévenir Kamer vient de dire, et éventuellement à ce que le prévenir Jamal, par ses conseils, l'intervention de ses conseils, vient de dire. Comme ça va nous permettre d'évoluer. La dame peut poser comme ça, répondre. Une deuxième question. Oui. Oui, allez, non, allez, attendez alors, allez-y, comme ça on ramasse les tours. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est par rapport au contrat d'avril 2018 que monsieur Bitakwira ne nie pas d'ailleurs. Nous sommes au point 3 du maître d'ouvrage délégué. À l'article 3, il est dit ceci: à l'occasion du présent marché, le ministère du Développement Rural est le maître d'œuvre. Si après représenté par M. le ministre Bitakwira Rabio Namaï Justin. On continue. Qui agit aux fins de présente en qualité de maître d'œuvre délégué. Vous comprenez que M. Bitakwira avait deux casquettes, il avait deux rôles à jouer. Représentant du gouvernement via le ministère comme maître d'œuvre, mais à titre personnel, il intervient comme maître d'œuvre délégué. Quid, M. le Président, qui nous explique un peu cette double casquette, quel était le rôle qu'il jouait comme maître d'œuvre délégué exactement? Nous en avons besoin, puisque au moment opportun, nous allons encore y rebondir. Merci. Bien, vous allez pouvoir répondre à toutes ces préoccupations. Attendez. Vous avez une... Oui. Ah, vous voulez ajouter une préoccupation comme ça, maintenant. Prends le micro ici. Oui, prenez le micro. Attendez. Pour qu'on vide les questions du témoin. Allez-y. Puisque j'étais sidéré d'entendre tout à l'heure quand il dit que en ce qui concerne la somme de 57 600, il dit qu'il n'y a jamais eu de contrat. Je voudrais que votre tribunal lui pose la question de savoir cette signature, s'il la reconnaît sur cette affaire. Le donner là-bas. Dans lequel il explique. J'ai déjà répondu. Il va répondre.
Allez-y, monsieur Bitakoui. Oui, attendez, votre honneur, monsieur le président. Attendez qu'il réponde. Qu'il réponde, je vais revenir à vous, monsieur. C'est la même question. La même question. Ah, c'est la même préoccupation. Oui, oui. Attendez, laquelle? Venez au micro. C'est parce que. Mais je l'ai fait comme ça. Oui, monsieur le bâtonnier. Merci. À partir du moment où monsieur Bitakoui prétend qu'il n'a jamais agréé ni su l'existence d'un contrat de 57 millions par rapport au contrat de 26 millions, je vais me référer à la lettre que vous a lue M. Kamere tout à l'heure, et où la lettre se termine comme ceci. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après. Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante et l'attributaire du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la déduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriqué à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 au lieu de 26 750. Oui, la lettre a été lue, M. Batiste. C'est la même lettre. Oui. Et je voudrais savoir si il confirme sa signature. Merci. Ou merci. Non, non, ça va, ça une va. Question, non, non. Une question par rapport à ce qui vient de dire. Non, mais c'est déjà dit. Non, votre honneur. Le ministre honoraire Bitakoui vient de soutenir que le contrat a été annulé. Est-ce qu'il peut nous brandir quand est-ce qu'il a notifié la société Sanibo l'annulité du contrat? Ok. Merci. Bien. Non, ça va. Allez-y. Je voudrais d'abord dire ici que je n'ai mis aucune de mes signatures. Ça m'engage et j'assume. Merci. Mais cependant, dans ce domaine ici, celui qui valide le projet, c'est la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et je continue à insister que l'avenant en question, c'était un projet. La lettre de la Direction générale du contrôle des marchés publics existe. Elle existe, la lettre existe bel et bien. Il faut d'abord savoir que quand le nouveau président de la République est arrivé, Monsieur le leader de cabinet a paralysé notre gouvernement. Nous étions devenus des spectateurs. On n'était plus acteurs comme tel. Et je me suis battu pendant 3 mois pour régulariser, je dis bien, pour régulariser auprès de la direction du marché public. Comme je l'ai dit ici, nous sommes dans un film d'action. L'argent a été payé quand? L'argent a été payé quand? Après la régularisation qui n'a pas eu lieu ou bien avant? Mais c'est comment pas de régularisation? La question que vient de me poser mon ami ici, où est-ce qu'il est si peut répéter sa question? Mais celui qui était ici tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est sur l'annulité du contrat, est-ce que vous avez, d'après lui, vous avez dit que... Le ministre a soutenu tantôt que le contrat était annulé. Et le contrat n'existe pas. Quand est-ce que vous avez notifié à Sanibo la nullité de ce contrat? Non, je n'ai pas dit qu'il y a une nullité du contrat. Le contrat est devenu caduque. Le contrat a été... Peu importe. S'il vous plaît.
quoi ça? Il a été caduque. Suivez, non? Suivez ce qu'il dit. Vous allez, je vous dis que... vous allez tirer les conséquences. Je vous dis que... Pourquoi vous voulez qu'il réponde comme vous le voulez? On attirera les conséquences, votre honneur. Vous le laissez, s'il vous plaît. Ici, là, nous ne sommes pas encore au niveau de tirer les conséquences. Tous, nous sommes en train d'instruire. Si vous faites poser une question, le témoin répond, vous prenez note au moment opportun, vous allez en tirer les conséquences. Ce n'est pas maintenant. Hein? Okay. Parce que je continue à insister que... Et ne donnez pas l'impression que vous voulez discuter avec lui, non. Je continue à insister que... contrat social, bien qu'on le lit à celui de 57 millions de dollars, je dis bien, je réponds au directeur du cabinet Caméré que la lettre, ma lettre du 5 juillet à la réponse de la lettre de la direction générale du contrôle des maraîchers le 25 juillet. On autorise que la réduction des nombres de provinces. Un point, un trait. C'est une interprétation. Elle est là, la lettre est là. Bien. Votre honneur. Non, merci. Je crois que. Quand on dit un mensonge, non, s'il vous plaît. Il n'y a pas de mensonge. C'est pour ça qu'il parle, il regarde l'avocat. Non, c'est là où nous sommes. Il cherche la rue là-bas. Non. Adressez-vous. Là, on accepte, on lui dit parce qu'on répondait à votre. S'il vous plaît, n'allez pas de parole. Non, c'est clair. Même si c'est comme ça, ça n'enlève à rien que vous avez signé avant. Ça ne vous discute pas, monsieur. Vous avez dit au président que vous ne connaissez pas les maisons. Non, puisqu'il a dit ici qu'il ne connaissait pas les 1500 maisons. Mais comment il a écrit ici les 1500 maisons? J'ai bien reconnu, j'ai régularisé. Vous reconnaissez que les 1500 maisons? J'ai régularisé le dossier. Alors, je suis satisfait, il reconnaît les 1500 maisons. Merci. Vous savez, si vous adoptez cette attitude-là, il n'y aura pas avancé. C'est-à-dire, il répond à vos préoccupations de la manière qui lui est libre. Vous en prenez acte et au moment opportun, vous allez exploiter tout cela. Donc, ne vous précipitez pas à faire des choses. Donc, s'il vous plaît, je crois qu'il a répondu à toutes les préoccupations. On peut venir tout en les gardant. On pourra revenir sur lui. On peut faire venir les prochains témoins. Et à ce niveau, on fait venir très rapidement d'abord. Le secrétaire général au développement local. Monsieur le Président, il y a ma question qui est encore en suspens. Il n'a pas répondu à ma question. Non, à ma question, monsieur le Président. À double test. Il est maître d'ouvrage et d'autres droits délégués. Il n'a pas répondu. C'est important. Je vais y répondre. Ce n'est pas le ministre Bitakwira du développement rural qui a conçu le projet. Le projet a été conçu à la primature. Et le prix? Et le nombre de maisons? Et le nombre de provinces. Ok. Quand le premier ministre m'envoie le projet, je le représente. C'est ça ma qualité de délégué. C'est tout. Ok, merci. Une dernière question. Il dit que l'avenant qu'il avait signé n'était qu'un projet. Peut-on conclure que la direction générale de contrôle de marché public aurait donné l'anneau sur un simple projet? C'est incroyable. Je voudrais doubler. Est-ce que l'anneau dans le même sens? Non, dans le même sens, ce sont Oui, vous avez suivi la question? J'ai suivi la question. Vous pouvez répondre. Je me réfère aux deux dernières correspondances de la Direction générale des marchés publics. La correspondance du 10 juin et la correspondance du 25 juillet. Comme moi j'ai pas mes pièces ici parce que j'en ai suffisamment, je continue à insister que le projet d'avenant, la direction générale pour les marchés publics m'a écrit pourquoi mon service a transmis le projet déjà signé à lieu d'un simple projet. Non. C'est tout.
La lettre est là, de la direction générale du contrôle de l'argent. Bien, merci. De toutes les façons, le directeur général va être entendu tout à l'heure. On fait venir une petite question, une dernière. Monsieur le président, on va revenir. Non, non, une dernière, s'il vous plaît. C'est quand même important. C'est quand même important, mais comme on vient. Monsieur le ministre, moi je voudrais, monsieur du tribunal, ma question est. Adressez-vous au tribunal, maître. Monsieur du tribunal, c'est ma question, elle est simple. Monsieur Bitakuya nous dit que l'anneau n'a pas été donné. Ce n'était qu'un projet. Maintenant, moi je voudrais savoir combien de projets en tant que ministre du Développement Rural il a fait valider au niveau de la GCMP. Combien de projets autres que ces projets? Deuxièmement, faut penser que cette deuxièmement parce qu'il a dit que la procédure a été viciée. C'est ce qu'il a dit. Mais même le ministère public a dit ici que la procédure a été viciée. Cette question, c'est pourquoi moi je pose la question de savoir. Que... Maintenant, en tant que ministre du Développement Rural, quelle est la conséquence juridique d'un anneau? Quelle est la conséquence juridique d'un anneau? Quand le directeur général. Mais attendez, cette question-là. Non. Je crois que cette question-là. C'est une question. Vous avez, non. La question de la conséquence juridique d'un avis de non-objection, le directeur général de la direction générale des contrats de marché public sera entendu et c'est à lui que. Mais lui dit qu'il n'y a pas. On n'a pas donné ça. On le garde. Attendons le directeur général. C'est quelqu'un qu'on doit prendre, hein. On le garde. Attendons le directeur général. Nous allons lui poser cette question-là. Attendez. On peut faire venir l'administration, s'il vous plaît. Faites venir Georges Koch, secrétaire général au ministère du Développement Rural. Monsieur Bitapur, vous pouvez attendre. On va continuer. Vous êtes là? Venez ici. Le micro de Bitakuya. Vous avez un micro? Non, c'est son micro privé. Après, vous pouvez aller là. Allez là-bas pour utiliser ce micro. Vous pouvez venir ici? Allez là. Bien. Madame, comparez Monsieur Georges Koshi, c'est ça? Oui, je m'appelle Monsieur Georges Koshi Guinéa. Oui, déclinez toute votre identité. Et Georges Koshi Guinéa, né le 28 novembre 1960. Allez-y, calmement, pour permettre à Madame d'acter. Hein. Je m'appelle Monsieur Georges Koshi Guinéa. Né le 28 novembre 1963 à Tekuit, dans la province du Kwilu, territoire de Gouyou, secteur de Ngoudi, et actuellement secrétaire général au développement rural. Bien, vous avez dit. Quel est votre état civil? Marié plus 6. Et j'habite Montfleury, Villa 23, commune de Maliema. La question en partie est de savoir si vous avez des reproches à faire à ce témoin. Avez-vous des reproches à lui faire? Partie civile. Prévenu Caméré? Non. Non. Prévenu Jamal? Bien. Monsieur, vous serez donc entendu sous la foi du serment. Cela veut dire que vous devriez faire attention aux déclarations que vous allez faire tout à l'heure, parce que au cas où il s'avérerait qu'elles sont ou elles seraient mensongères, vous courez le risque d'être poursuivi pour faux témoignage. Alors, le tribunal va vous demander de lever votre main droite et dire, après moi, je le jure. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure, monsieur le président. Merci. Donc, vous confirmez être le secrétaire général du ministère du Développement Rural? Oui, votre honneur. Il nous revient que, à ce titre, vous avez pris part
à un certain nombre de réunions à la présidence de la République au sujet du programme du chef de l'État, programme d'urgence de 100 jours, s'agissant du volet habitat. Et confirmez-vous cela? Monsieur le Président, en tant que secrétaire général du développement rural, j'étais au courant du programme de l'habitat du ministère du développement rural, tel que retenu dans le programme du 100 jours du chef de l'État. Bon, est-ce que vous reconnaissez avoir pris part aux réunions relatives au volet habitat, construction des maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez pris part à ces réunions-là tenues à la présidence de la République? Votre honneur, je n'ai pas pris part personnellement à une réunion sur la partie habitat rural. Mais mes experts, si. Mais vous avez pris part à quel type de réunion? J'ai pris part à une réunion, j'étais à la présidence bien entendu, c'était pour renforcer le programme des 100 jours du chef de l'État en disant qu'on avait oublié deux projets importants. Donc le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le second en ce qui concerne le vol des dessertes agricoles. Je me suis dit ça serait impossible pour qu'un président, pour son programme des 100 jours, ne puisse pas tenir compte des réalités des terrains qui sont l'approvisionnement en eau potable de la population rurale ainsi que le rôle des dessertes agricoles qui est son voie pour désengorgement de bassins de production en République démocratique du Congo. Donc, les réunions auxquelles vous avez pris part, c'est uniquement s'agissant de l'approvisionnement en eau potable et les routes de dessertes agricoles. Les routes de dessertes agricoles. Je le confirme, monsieur le Président. Bien. Et vous n'avez donc jamais pris part à une réunion relative à la construction de maisons ou à l'érection de maisons.